Tu sais, le football en Afrique, hein, c'est le football de rue. On en est tous sortis. Donc, quand on sort de l'école, on joue sur la route pour rentrer à la maison. Moi, il m'arrive des fois, parce que j'aimais trop ça, c'est pas pour autant que j'oublie mon travail scolaire. Et ma mère le sait. Ma mère sait que quand elle me donne un ballon, je lui ramène de très bons résultats. Donc, c'est un peu le challenge que je lui fais. Et souvent, elle me donne un ballon, nous jouons dans la cour, le lendemain, bon, mais quand on fait des compositions, je ramène de très bons résultats. Il savait que quand je rentrais en France, mon père a dit, bon, écoute, maintenant tu vas en France, ça devient très sérieux, il faut abandonner le foot, tu vas là-bas pour étudier, occupe-toi que de ça. J'ai dit, oui, d'accord, ok. Mais moi, je sais que sans le ballon, je ne peux pas travailler. Donc, j'ai glissé mes chaussures de foot dans ma valise. Et arrivé en France, c'est le club de Sèvres, le club olympique de Sèvres qui m'a accueilli. Tout jeune Africain, quand il lève la tête, il entend parler de la France, c'est l'Eldorado, c'est la vie meilleure, c'est tout. Et il croit qu'on arrive ici et puis ça y est, on a tout ce qu'il faut. Non, il faut se battre encore plus que les autres. C'est ce que j'ai retenu, que ici, tous les jours, je dois me battre pour exister. Au départ, ce qui m'a beaucoup étonné au départ quand je suis arrivé, c'est que quand je rentre dans le métro, je ne connaissais pas le métro, je vois les portillons se fermer, je vois tout le monde courir. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui leur arrive? Tout le monde court là. Je regarde, mais seulement quand j'arrive au portillon, la porte se ferme, le métro est arrivé, il est parti. Ah, j'ai fait ça deux, trois fois, mais je me suis mis dans la course. Je me suis mis à courir aussi. Et voilà les premières images qui m'arrivent. Mais quand je suis arrivé, vraiment, j'ai de la chance parce que je suis arrivé chez un ami qui fut mon professeur maths, physique, chimie au Bénin, qui m'a adopté, qui m'a permis de m'intégrer dans la société ici. On jouait pour une passion personnelle, on jouait pour l'ami, pour le copain, on jouait vraiment pour s'amuser. On s'amusait. Et on gagnait, on s'amusait pour gagner. Et puis, bon, mais voilà, j'ai trouvé un club qui ressemblait un peu au club que j'avais au Bénin. On ne parlait pas d'argent, on parlait de famille, de camaraderie, d'amitié. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis inscrit dans ce club où j'ai joué pendant longtemps. J'ai été entraîneur. J'ai entraîné presque toutes les catégories de jeunes du club. Et comme on jouait très bien, ils se sont dit, c'est en France qu'il y a la formation, qu'on apprend à jouer. Parce que nous, on est sortis du football de la rue. Ici, on apprend à jouer. Le football était devenu un métier à mon époque. La suite, je te la raconterai plus tard. France, Bénin. Football plus. Le plus, c'est l'originalité du projet. Le football est là juste pour nous rassembler. À partir du football, nous voulons aider la jeunesse à s'épanouir, à devenir un vrai citoyen chez eux. C'est notre objectif. Donc le plus, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut mettre dedans pour aider la jeunesse, c'est dans le plus. Donc le ballon est juste l'intermédiaire entre nous et la jeunesse. Tes activités au Bénin, ça fait quelque temps que tu l'as développé et que tu as aussi effectivement mis en action des centres, tu as fait voyager des jeunes, tu as développé cela même ici. Nous intervenons dans quatre départements aujourd'hui. L'objectif, c'est de mettre des centres de préformation dans tous les départements. Dans ces centres de préformation, nous prenons les jeunes à l'âge de 12 ans dans les départements, qui signent une convention avec nous, qui sont d'accord avec notre projet. Ce département met à notre disposition un local pour servir de centre informatique, puisque nous voulons que les jeunes à leur âge s'initient à l'outil informatique. Donc, dans le département, nous faisons une détection et nous retenons 20 jeunes à partir de 12 ans. Tous ces jeunes continuent d'habiter dans leur famille, continuent de fréquenter leur école. Donc, en clair, nous ne leur enlevons rien. Ce que nous leur apportons, c'est un plus. C'est là qu'intervient encore le plus. Le plus, c'est que ces jeunes scolarisés
On les aide dans leurs études. On leur donne l'outil informatique, l'initiation à l'outil informatique. Et trois fois par semaine, nous avons des éducateurs sportifs qui interviennent pour leur niveau de football. Voilà où on en est aujourd'hui. Le coach qui a entraîné, il signe le rapport. Avec 4 ans au-dessus des enfants, les enfants ont fait les mêmes tests, vous produisez ça? C'est pas possible. Tu es chanteur-joueur, c'est ça? Hein? Tu vas faire la musique aussi? Non, tu vas faire le foot. C'est bien. Quand on passait des footballeurs au Bénin, je crois d'avoir vu des photos où on te voit avec un ami en particulier. Des belles photos en plus d'une équipe aussi, belles photos en noir et blanc qui me rappellent les époques antiques presque aujourd'hui. La vraie valeur du football, c'est l'amitié. C'est l'amitié parce que ce garçon que tu as vu avec moi, il joue avec moi dans notre équipe au lycée Béhanzin. Nous avons l'une des meilleures équipes scolaires où nous jouons dans nous jouons dans la sous-région, au Nigeria, au Togo. Et quand nous faisons les matchs internationaux, nous jouons ensemble. C'est mon avant-centre. Moi, j'étais libéraux. Moi, je jouais dans l'Étoile. Et mon ami jouait dans l'Assaut Porto-Rico. Et l'Étoile et l'Assaut, c'est deux équipes rivales. Et quand nous jouons, c'est un grand derby. Donc, nous sommes de farouches adversaires. Seulement, ce garçon et moi, on est vraiment amis que... quand nous nous déplaçons pour aller jouer au Nigeria, tout ça, quand nous descendons du car, quand il rentre à l'hôtel, il prend sa chambre, il prend mon lit, il prend son lit. Nous dormons toujours dans la même chambre. Pourtant, le lendemain ou bien une semaine après, quand nous nous retrouvons sur le terrain adverse, dans nos équipes civiles, on est des adversaires, de grands amis et de grands adversaires. Voilà, ça m'a beaucoup édifié. Ça fait que nous, le football, c'est sur le terrain qu'on est adversaire. Sur un stade, on ne se donne pas rendez-vous, on se retrouve et c'est des amis qui se retrouvent. C'est ça qu'on devait retrouver sur tous les stades. Quand sur des stades, aujourd'hui, vous voyez, on va pour se bagarrer, des trucs comme ça. Ce n'est pas du football, c'est pas de celui-là que moi j'ai rêvé. J'ai rêvé d'aller sur un stade, c'est comme si je vais à la fête. C'est une fête où on doit chanter, danser, crier, s'exprimer, et pas se bagarrer. La bagarre a son terrain à part. Les bénévoles italiens de l'association Solid Africa ont organisé un tournoi de football sur le terrain de Hindé dans le grand marché d'Antourpa de Cotonou, le plus vaste d'Afrique de l'Ouest. Le but de l'événement est de sensibiliser le public et les jeunes participants aux problèmes liés à l'exploitation des jeunes et de l'esclavage, très fréquents en Afrique de l'Ouest. 7 équipes de jeunes lions se sont affrontées avec engagement et compétition. L'équipe de l'espoir a remporté le tournoi et les maillots de l'équipe d'Italie, championne du monde en titre. L'expérience est fantastique. Un terrain mi-sable, mi-terre et un public affluent, composé de jeunes enfants et d'adultes. La participation de la Croix-Rouge et du ministère de la Famille contribue au succès du grand tournoi de Dantokpa. Si on pense que dans quelques mois, la Coupe du Monde de football va se déplacer en Afrique du Sud, qu'est-ce que ça t'apporte? M'apporte personnellement, je ne dirais pas. Je dirais que c'est une chance pour l'Afrique. Et l'Afrique doit la saisir. Le plus grand centre de formation de football africain, c'est l'Europe. Et le plus grand marché du football africain, c'est l'Europe. Donc, j'espère qu'après la Coupe du Monde en Afrique, les Africains vont prendre conscience qu'ils peuvent vivre du football chez eux. Moi, je crois que c'est une bonne idée, mais il ne faudra pas qu'on se précipite parce que la plupart de nos clubs ne sont pas prêts. Ils n'ont jamais travaillé à la base. Ils ont juste cherché les résultats. Mais le résultat, pour avoir le résultat, il faut travailler. Il faut travailler à la base. Et c'est en cela que je voudrais que nos autorités se penchent un peu plus. Parce que le football, dans un cadre non réglementé, tout le monde vient faire ce qu'il veut dedans. Parce que l'objectif principal, c'est de former vite et d'aller vendre. Alors nous, on essaye d'aider les jeunes pour que leur rêve ne soit pas toujours en dehors de leurs frontières. Oui.
Né le 12 décembre 1946, Salif Keïta fut le plus jeune international de l'histoire des Aigles du Mali. Débutant sa carrière à l'âge de 15 ans, Salif alias Domingo fut l'un des premiers joueurs africains à s'imposer en Europe. 3 titres de champion du Mali avec l'AS Real de Bamako, 3 titres de champion de France avec Saint-Étienne, un soulier d'argent et un ballon d'or africain en 1970. Il terminera sa carrière aux États-Unis avant de créer le premier centre de formation du Mali. L'association sportive de Saint-Étienne, qui domine le football français, dispose d'un correspondant à Bamako qui a repéré la perle rare. En 1967, quand le club propose un contrat à Salif, il quitte clandestinement son pays pour prendre le premier avion. Arrivé à Orly, Salif donne l'adresse du stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. L'adresse est à plus de 500 km, mais le jeune joueur affirme que le club paiera la course. La SSE ne regrettera pas son investissement. 120 buts en 149 matchs, 3 titres de champion de France. L'histoire d'amour entre le club et Salif est telle qu'en 1968, la SSE prend une panthère noire pour emblème, en hommage à son attaquant vedette. Cette panthère est aujourd'hui encore l'emblème du club, même si nombreux sont ceux qui ont oublié cette origine. C'est les hommes qui m'entourent, qui sont ma richesse. L'argent dans la poche, j'en ai pas. Mais je suis très riche parce que je me suis entouré de gens qui ont des idées, des gens positifs. Et c'est ça qui fait que nous avançons tous les jours. Et comme aujourd'hui, il y a le football professionnel chez nous, j'espère qu'ils vont contribuer à relever le niveau du football béninois. C'est un peu notre rêve, ça. C'est surtout sur ça que nous travaillons. Former les jeunes pour qu'ils servent beaucoup plus au football béninois, afin qu'il y ait de la qualité et que les stades soient remplis. Jules, c'est l'amitié qui a gagné. Bon, voilà un peu mon parcours en France. C'est consacré à la jeunesse. C'est consacré à la jeunesse. Et ce qui me fait beaucoup plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai formé beaucoup de jeunes qui sont devenus aujourd'hui des docteurs, des ingénieurs, des professeurs. Et quand ils me voient dans la rue, bonjour coach, ça c'est un plaisir. C'est ce que j'ai gagné ça aussi.